Bonjour à tous les amis, c'est Skitok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle map aventure sur Minecraft. Voilà, j'espère que cette fois-ci celle-là, je vais la terminer. Et oui, voilà, donc nouvelle map aventure. Donc celle-ci s'appelle tout simplement The Lost Island. Donc c'est une map française que je vais tout de suite vous dire. Donc The Lost Island est une map survie pour Minecraft 1.8 réalisée par 3 Français. Après un crash d'avion, vous retrouvez sur une île perdue. Et voilà, nique bien ta mère toi. Au milieu de l'océan, vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité pour arriver à accomplir tous les objectifs prévus par les créateurs. Le concept n'est pas original, mais c'est tout de même une excellente map survie qui ravira tous les fans du genre. De plus, vous pouvez jouer à plusieurs sur The Lot. Bon voilà, je joue tout seul vu que je préfère. Donc les maps jouées en facile ou normal. Donc je vais mettre en normal. Yes. La possibilité de pas cheater, oui, donc voilà. Donc il y a des objectifs donc que je mettrai dans la description. Donc c'est parti les amis, on va commencer tout ça. Donc voilà, un map créé par Redstone, et voilà. Ah, stylé, négé. Ok, objectif et règles. Ouais, donc par contre j'aime pas trop le concept de la pluie, mais bon. Ok. Ce qui reste du crash. On va tout prendre les amis. Okay. J'espère que ça bug pas trop avec ce shader. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 30 fps, comme ça je suis sûr de pas trop laguer. Du coup, on va lire un peu les règles. Donc, bienvenue dans un jeune joueur ou jeune joueuse. Dans cette map, tu devras survivre au beau milieu de l'océan et compléter tous les objectifs, voire d'autres livres pour survivre. Règles, jouer, enfin, ça j'ai déjà vu, voilà. Voilà, donc ça c'est les objectifs, se faire une petite base sur île, faire générer des cobble, pierre, crafter tous les outils possibles en pierre, crafter un lit, faire une ferme à cactus, une ferme à canne à sucre, une ferme à melon, trouver les 5 coffres cachés dans la map, faire un élevage de vaches, un élevage de poulets, aller dans le temple de la mer et trouver le trésor, crafter 20, tuer 20 mobs, et voilà. Donc du coup on va faire ça tous ensemble les amis. Voilà, je change juste de shader pour... Pour être un tout petit peu mieux, voilà. Donc, ok, bon, j'ai des gros lags un peu sa mère, donc je vais quand même mettre en limité, voilà. Ouh, c'est beaucoup plus fluide, c'est cool. Je fais de la place sur mon bureau parce que voilà, c'est pas rangé, vous me connaissez. Écoutez ce que je vais faire. Je commence à être chiant. Je vais mettre le medium et j'ai l'impression que ça bug tout le temps, c'est-à-dire j'ai des pertes de FPS. Et je dois vous avouer que c'est casse bonbon. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, je vais regarder ce qu'il y a dans la petite maison. Oh, du bœuf. Du poulet plutôt. Ouais, par contre, j'aime pas trop le concept de. J'ai pas de pioche. Ah, j'ai pas de pioche. On va se couper du bois. C'est parti les amis. Donc voilà, j'espère qu'on va se faire plaisir au calme. Bon, y'a pas de raison, hein. Je peux même le faire tourner peut-être en ultra. C'est fort possible. Hop. Ça ah non oui d'accord, c'était la durabilité qui buguait. On va prendre cet arbre. Bon, on a des objectifs, j'ai un peu look des objectifs un petit peu bien casse-couille comme il faut. Je vais me faire les outils demandés. Mais je sais, le shader fait un peu bugger l'inventaire. Alors attendez, là on a la map. Ok. Donc là on est. Ah oui, donc ça c'est un bout de la carte. D'accord.
Du coup, je vais me faire une petite pioche sympathique. Pas fait exprès pour le screenshot. Ok, oui. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais en fait, non. Apparemment, non. Donc, on va se faire une petite pioche. Au calme. On va. Voilà. Ça, c'est cool. Récupérer ça. Putain, je fais toujours le screenshot. Je me foire tout le temps. Par contre, pour la bouffe. Au niveau de la bouffe, je sais pas ce que je dois faire, ce que je vais faire. Ah ok, d'accord. C'est joli tout ça. Il est tombé dans les ténèbres, nous allons pas lui chercher. Nous sommes des enfoirés. Ouais, bref, je vais quand même remettre le médium que je préfère largement. Ok, on va vérifier ce petit... Ok. Est-ce que cela fait partie de la map? Je ne pense faudrait voir. Bref. Ah! Ce que je vais faire en premier, c'est bah déjà, je vais. Il n'y a pas de. Oh putain, les enfoirés. Putain, j'ai cru que j'avais découvert un truc, j'étais trop happy, tu sais, mais en fait, non. Ok, bon bah du coup, bah attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de grotte ou quoi. Je te regarde la nuit. Ok, bah regarde-moi, j'aime bien parce que... Ah là 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 là, c'est le début de la richesse. Pardon, ok. On va se calmer tout de suite. Coffre caché. Bah j'ai vu ça. Montez, s'il vous plaît. On va boucher ça tranquillement. Oui. Mais bien sûr, il me manque de la cobble. À faire ça bien. Voilà. On a fait ça bien. Pac, pac, il y a des trucs cachés. Parce que sinon, ça va mal se passer. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est une cisaille pour nous faire un lit. Qui, je ne sais pas si c'est un objectif ou pas, mais en tout cas, je l'aurai accompli. On a tendu le mouton. Là, c'est plutôt bon. On va se faire le lit parce que là, je commence un petit peu à bugger. Ok, donc faire un lit, donc ça c'est bah c'est fait. C'est fait, c'est fait. Juste enlever ça parce que ça me gêne un peu, vous voyez. Vous voyez. Par contre, je n'ai pas de bouffe. Faudrait que je commence à planter. Il faut que je commence à planter. Du bois, du coup. Je vais mettre un coffre aussi parce que cela peut être utile. Hop, non. Commence à creuser par ici. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, carrément. Ah mais carrément quoi. Ok. Ok. Ok, bah en fait les gars, on est sur une île. Putain. Oh là là. Je fasse pousser. Bah ce que je vais faire. Ce que je vais faire, tout simplement. Ok.
faire un four. J'ai quelques petites idées en tête de ce que je dois faire, donc. Oh putain, je suis plein, la loose. Et du coup, c'est pas grave. Du coup, je vais faire un four. Voilà. Donc, je vais faire. Oula. J'espère que ça n'a pas gâché la vue. J'ai des petites pubs qui ouvrent comme ça, c'est assez. C'est assez casse-couille. Faire, c'est je vais commencer les cultures histoire de faire bien. Je voulais faire un truc. Ouais, je pense que je vais faire ça avant. Non. Ah bon. Bon, je vais faire ça. Moins, on aura des plantations. Ah bah oui, j'avais déjà de la cobble. Donc, pas besoin. Super, en plus, il pleut. Que demande le peuple? Mettre de la non. Alors les amis, donc ouais, ce que je vais faire, bah déjà ça me saoule que j'ai cette pluie de merde. Je vais bah, éclairer un petit peu pour pas avoir trop de mobs avec ces casse-couilles. Ça m'intrigue tout ça. Ouh. Ça j'aime. Pardon, excusez-moi. Ok, donc oui, pioche du mineur, bien sûr. Non, attendez. Break, il faut juste que j'aille au coffre. Je vais déposer un peu tout ce que j'ai. J'ai beaucoup de choses. Notamment choses qui me servent à rien. Voilà, je vais faire le tri après. Alors, danger, ne pas entrer. On va pas entrer. Si, on va entrer après. C'est cool. Ah oui, d'accord. Mineur dépressif. Ok, donc on va lire ça. J'étais en bas de la mine pour seul compagnon ma pioche et mon casque d'ouvrier. Je gagnais un salaire pitoyable et ma femme et mes enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. Je pense que cette histoire va mal se finir. Je pense aussi. Du coup, je vais prendre ça et ça. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 14 minutes. Très bien. Je vais prendre vraiment tout le charbon que je trouve, toutes les ressources, etc. Et merde. Ça, c'était pas voulu. J'étais déjà tondu. Il pleut en haut, c'est casse-couille. C'est bien en normal. Donc toutes les ressources, je vais récupérer toutes les ressources que je trouve. Ok, qu'y a-t-il de caché par ici?
Et oui, mais bien sûr! Mes belles bêtes, putain! Et voilà, ce truc de merde de pub de mes couilles. Bon, bah, cool. Là, je saurais qu'il y a un portail de l'End. Non, ça, c'est clair. Putain, mais what the fuck? Je trouve trop de trucs à la fois là, je ne comprends rien. Ok, on va faire. Ça fait peur. Durabilité 18. Ok. C'était pas voulu ça. On va mettre. Avec tout ça comme il faut, vous savez, je suis très. Quelqu'un qui fait bien les choses, dire. Ok. Là, j'avais trouvé quelque chose, donc c'est par ici. Ouh! La sagate! La saga du tonnerre. Enculé. Là, c'est cool. J'ai trouvé combien de coffres déjà là? 3. J'en ai trouvé 3. Laisser crever la vache quand même. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Donc du coup là il nous dit de pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on rentre, voilà. C'est cool. Oh putain la pute. Je vais pas rester là, je vais. Toi, je t'interdis de rentrer, j'ai pas envie que tu meures tout de suite. Tu mourras après. Le mec trop casse-couille quoi. Je vais faire un autre saut de lave au cas où si j'ai besoin. Et voilà, ça c'est cool. Oula. Pensais qu'il y avait quelque chose par là, mais apparemment non. J'ai soif. J'ai très soif. Coup de charbon, c'est bizarre ça. Voilà, bon, bah cool. Cool. Bah il fait nuit, donc on va faire passer la nuit. Et puis on va s'arrêter là, les amis. Sur cet épisode, bah qui a été, bah déjà, on va dire très très. Comment je pourrais qualifier ça? Bah très très. Enfin, je sais pas, riche, si je peux qualifier ça comme ça. Alors, prochain épisode, les amis. Alors, attendez, je regarde juste si on a quelques petites minutes. Oui, on a quelques petites minutes pour aller checker l'épave de l'avion. Donc, on va faire ça en vitesse très rapidement. Qu'y a-t-il là? Rien de grave. Juste checker l'épave de l'avion,
pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Comme un coffre. Ou quoi? Putain, j'ai la voix qui part en zgeg. Mais bien sûr! Ah oui, c'est bien les name... le système des name tags parce que. On peut s'y retrouver si on trouve des. Des coffres ou autre. Alors. L'impression d'avoir vu quelque chose là, non? Ah bah ça a dû être moi. Je suis myope. Là j'ai donc pas de coffre à l'horizon. C'est intriguant le l'espèce de temple qui est en dessous, c'est très. J'ai eu peur. Ok, bah écoutez. On va rentrer chez nous et puis on va se laisser là où nous avons commencé. Très belle phrase. J'espère que cette petite série vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, c'était Skill Talks et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, peace.